pour accepter l'invitation de la émission ça, qui c'est l'émission entre nous. Bonjour Madame Scoupette, bonjour tout auditeur, auditrice et fan inconditionnel de l'émission entre nous, qui a passé sur Univers Info TV. C'est avec un peu de plaisir, moi-même, Caleb Jean-Baptiste, coordonnateur général, bloc avocat engagé pour la création des données pour distribuer des fonds. On a beaucoup de questions. On a parlé aux pays, et parce que nous-mêmes, comme démocrates convaincus, Haïti a voté pour nous. D'accord, cher maître. On va entrer directement dans la question. Cher maître, dis-nous, les Européens ont assassiné le président de la République, Jovenel Moïse. Qui j'en sentir? Bon, moi-même, j'ai appris ça par la presse. J'ai appris qu'ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Moi, vraiment, j'étais ému. J'étais indigné, jusqu'à présent, indigné, parce que, en tant que Jean Doulan, démocrate convaincu, et nous connaissons que la liberté est garantie et protégée par la Constitution. Et personne, monde, pas le droit de retirer le monde, quel qu'en soit la différence qu'on a avec lui. Et immédiatement que nous-mêmes, nous apprenons que les bandits sans foi ni loi assassiné le président de la République, bien que de facto, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021, mais c'est le président de fait. Et nous avons sorti une note. Nous avons demandé aux membres de nous prendre des précautions. Et puis nous avons demandé tout la justice avec la police pour rapidement diligenter l'enquête, pour arrêter et tout coupable, auteur, co-auteur, qui a participé dans ce acte, qui sale image, nous comme haïtiens, qui mettait nous encore à nu devant le monde entier. C'est inacceptable, intolérable. Pour nous arriver à assassiner le président de la République, pour nous-mêmes comme citoyens convaincus, pour ne pas être indignés, révoltés et lui sacrifier. Dis-nous, mon journaliste, d'après vous-même, pour des actes à la suite. Bon, d'après le calcul qu'on a fait, je ne sais pas exactement pour des actes à la suite, mais nous avons fait des analyses. Analyses nous avons fait, et en tant que moi-même professionnel du droit, qui est spécialité en droit pénal spécial, première question à poser. En tant que gamin, en tant que loi, qui est collectif des anciens députés de l'opposition gagnée, en fondateur également opération. M'a secteur démocratique et populaire et coordonnateur général, donc avocat engagé pour libération prisonnière politique pour défendre le monde. Première question posée tête moins. Et côté sécurité président. Parce que nous connaissons le président, avant d'arriver à terminer, il faut que tu aies passé au moins 4 barrages de sécurité. Avec dit, nous poser une question côté sécurité président. Est-ce que sécurité président y a un président comme ça? Parce que nous tendons par la voix de la presse que pas de pièce de sécurité président qui prévale, nous pas de sang sur la cour président, nous pas de même drouille sur la cour président. Là, nous venons poser une question. Est-ce que pas de complicité des agents de sécurité du président? Et sous même balle, ça, tout madame Soupette. Et immédiatement, nous demandons avec la police et la justice pour nous mettre en isolement, arrêter rapidement tout policier qui a travaillé sur ça, spécialement le chef de sécurité, qui est Dimitri Guerra. Nous avons arrêté également le coordonnateur par le national, qui est civil de la guerre, parce que le président, qui est de facto pas, c'est le premier citoyen national. Dieu, tout le monde braque sur lui, et le chef de la police, là, Léon Charles. Il y a une question pas pour le prendre tout. Parce que l'État a une ligne, direct, pour la veille président, un agent de sécurité. D'accord, c'est comme si des agents secrets même pour veiller président, pour garder sa capacité, etc. L'État a un contrôle, l'État a un contrôle comme des GPH. Et nous-mêmes, nous venons comprendre que les bagages sont suspects. Et des génies sont suspects. Et Dimitri suspect. Civil la guerre suspect et tout le monde qui était dans l'entourage du président qui a sécurisé le suspect. Et nous pensons que la police, la justice, nous fait lumière sur le crime ça. Et parce que nous-mêmes, comme peuple haïtien, le pape d'accord, le président mourir dans la condition ça pour lumière parfaite. Parce qu'il faut être clair avec vous. Nous gagnons un bateau, mon frère Doval qui mourit. Lumière beaucoup fait. Nous gagnons Evelyne Sincère qui mourit. Grégory Saint-Hilaire. Nous gagnons dernière maladie Gaucha. Nous gagnons Antoinette Duclair, nous gagnons massacre qui fait massacre Belé, massacre Kafoufeu, massacre Tokyo, massacre fait dans tout le pays, puis nous n'avons pas de lumière qui fait. Je ne veux dire, c'est le président de la République, bien que de facto, qui nous demande pour lumière faite.
sous Zach Sayo, non seulement pour faire lumière sous Zach président, et pour faire lumière tout sur tout le monde qui mourit, et de manière et vraiment grave dans le pays, tout le passage fait, parce que nous-mêmes, comme avocats, nous voulons lumière faite pour tout auteur complice, Zach Sayo, puni comme ça doit, et pour ça va jamais péter encore dans l'histoire pays. D'accord. Mais Jean-Baptiste, dis-nous, la faute exercice tout petit sur la question ça. D'après vous-même, est-ce que les actes ça, c'est un acte politique? Si toutefois, le constat a oui, on va nous plus détailler. Si le temps est tout, on va détailler tout. Et comme pour qu'on ait une enquête qui veut révéler que, qui s'allie, nous-mêmes comme avocats, nous avons une insécurité générale dans le pays. Côté que, article 136 Constitution, les 10 présidents, c'est garant bonne marche institution. A veut dire, président, bien que de facto qui mourir, c'est lui qui a gagné pour garantir la bonne marche des institutions. Mais malheureusement, toute institution, c'est malheureux, il est écrasé sous lui. Et il y a un peu de monde qui mourir dans le pays. Sous base, nous pouvons dire, est-ce que c'est un crime politique? Bien moi ça c'est la politique, est-ce, ou bien est-ce que le président lui-même est victime de l'insécurité générale et que tout le monde a victime ces derniers temps dans le pays. Mais nous avons posé une question, pour qui ça, des gens lourdement armés à l'entrée à l'assassinat du président, si c'est l'insécurité générale, nous elle a pu sembler un sac politique. Ok. Chamel, dis-nous, tu as l'air d'aller plus rapide et que la question est là, nous allons aller avant la question, on va retourner sur la question ça. D'après vous-même, qui monte clé la justice, t'as dû attendre. Premièrement, vous avez arrêté Dimitri Erard, qui est responsable du RGPN. Deuxièmement, Sylvie Laguerre, qui est coordonnateur par les nationales. Troisièmement, tout agent sécurité qui t'a sécurisé le président. Il faut attendre tout le monde qui t'a sécurisé le président dans la rue, il faut arrêter tout. Et ensuite, même les gens qui partent la joue, soit ça, il faut attendre, ils ne pas arrêter, depuis que c'est le président, et puis ils connaissent ce qu'ils ont gagné, et des bagages qui te disent, voilà, voilà. Et il faut que tu aies également attendu petit Claude Joseph, qui est le premier ministre de facto, parce que suite après la mort du président, et nous voyons que M. petit Claude est vraiment a posé des actions illégales et arbitraires, et qui montrait que. C'est ma part de petit Claude Joseph. Ça, bon, Claude Joseph, mais il peut pas parler de petit Claude. À vous dire, monsieur qui dit que c'est le premier ministre là, qui a capoté l'argent payé. Et nous, après le président, monsieur a posé des actions vraiment illégales et arbitraires. Monsieur a dit il a jusqu'à l'élection. Monsieur a dit où et il a décrété l'état de siège. Monsieur a dit il va faire l'élection. Monsieur a dit est comme si le président, il sortit arrêté, etc. À vous dire, immédiatement, on a posé des actions. Ça, on ne s'en pas montrer le sensible pour le président. Moi, je me dis, des moules qui proposent de crier, même si sont criés, tout le monde a dit, sont criés, mesdames. Le président, on est qui t'a choisi. Même si, de manière illégale, il dit, le premier ministre, ah, il faut garder ça à cœur. Monsieur, ça, tout le monde s'est mis en mouille. C'est comme si, c'est un membre, une famille qui mourait. Bah, c'est que monsieur était le plus triste. Il n'a pas montré ça, il a montré que c'est place présidente, t'as beaucoup de besoin. Et regardez que. Vérité a quand même la sortie. La dernière conférence de presse de M. Sadaba, il dit que le coup d'État ça. Allez, il dit que Claude, il faut attendre, il faut que M. Sadaba l'examen. Et par la suite, il a attendu tout le monde qui a un lien avec mon ok, DCPJ. Il a vu une jeune qui a un lien avec crime ça. Parce que crime ça. Il n'y a pas qu'un qui fait, il faut que l'autre contact passe pour lui, qui objectif et qui mobilise, est-ce qu'on comprend? Et bien que moi, enquête là, je voulais bâcler, et côté commissaire gouvernement a fait des bagarres à la vite, et l'attendu des gens, je pense que c'est des CPJ d'abord qui avait commencé à mener des enquêtes. Mais ça, regardez, c'est la science. Où est le moment d'elle? Moi, j'étais l'avocat, d'assister, c'est la tête de la torture. Avant hier, il assiste également le sénateur Steven Benoît. Hier, il était gagné un député Jerry Tadieu qui est en bas. Il dépassait Well, bien que il était gagné un autre avocat qui a assisté, mais il dépassait Well, fort de 3 minutes. Il n'y a pas posé une question qui s'est répondu à mon président. Son enquête qu'a fait, enquête là,
DCPJ là, gen téléphone, etc. Gen équipe indice, pour nous dire non, qui sont connus, les gens qui nous dit voilà, tel bagage, nous, voilà, tel bagage, poser des questions. Pourquoi? Le salaire de son bail sérieux qui t'a fait, et nous-mêmes nous inquiets pour enquête ça par bâclé. Nous jouons pile notre enquête bâclé dans le pays, côté que vite, il n'y a pas qu'à sortir, côté vrai coupable, il n'y a pas qu'à jouer. Et c'est vraiment nous inquiets pour ça. Et bien, d'abord, on ne peut pas choisir avec ton monde parce qu'il n'y a pas le monde. On dit que moi, j'ai des gens qui ont mandat et qui ont été appareillés. Si c'est ok, on n'a pas de la justice pas de droit pour tout le monde. La justice qui attend tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais il faut que les gens, dans un bon moment, ou quand les gens avant une enquête à mener, ou bâcler l'enquête là, ou craser l'enquête là. Parce que, ou relé avant. Est-ce qu'on peut craindre? Ça veut dire, si tu as déjà compilé les preuves, les indices, et puis qu'on y a là, avec preuve ou bien indice ou bien yo, ou il est mouna, et puis là, on dit mouna, 1, 2, 3. Mouna là, la petite souillée, il m'a sépé la publicité par le militaire. Mais si tu n'as rien à moi, ou il est mouna, poser des questions, ou à demander l'explication. Ce n'est pas fait, ce n'est pas vraiment normal. Il m'a sépé, le commissaire gouvernement, il faut le saisir, le passer. Histoire parce qu'il faut que tout le monde joue lumière sur ce qui passe là et donc et tout ou pas capter des mondes ou pas qu'à soit dire pas arrêter des mondes le fait que mon tante qu'on parle avec un monde ou bien un autre monde tout le monde qui participe dans n'importe réunion à un monde mais qui s'est capté dans réunion d'abord car les mondes comment dire telle réunion qui participe qui s'est capté dans réunion ça sous base on dit que jeudi un non interview avant on va faire photo après c'est sûr demain on pas besoin qu'on qui soit comploté à n'importe quel monde. Il n'y a pas qu'à arrêter sous base de des photos avant. Il faut au moins des photos ça dans quelles circonstances on peut faire. Et c'est des preuves également. Tout bagaille, téléphone en vidéo, tout bagaille. Le monde qu'on y a là avec technologie, pas gagné au cacaché et puis ouvrir les jeunes pays. Vous comprenez? Moi, c'est que le commissaire gouvernement, il vient pour lui poser des actions sérieuses. Et ça qui fait encore, monde qui t'a dit, et élément important, il va arrêter dans l'enquête là, c'est le monde qui a arrêté dans l'enquête là. Par exemple, c'est Claude Joseph, DGPNH. En passant, ça, c'est grave. En passant, et sous question pour le Premier ministre là, si Claude Joseph doit être Premier ministre ou bien Ariel doit être Premier ministre? Coupé. Bah,